Ben tu la lances. Tu la fais rouler. Ah ouais. Celui qui disait qu'il sait pas jouer. Merci, une carte de vie. J'ai un strabisme en fait, je vous explique, donc voilà, je ne vais pas regarder mon téléphone. Mais en tout cas, j'ai passé une très bonne soirée, c'était incroyable. Qu'on se le dise, je suis un déchet humain, mais ça, c'est qu'un détail. Bah écoutez, là, bienvenue dans ce nouveau vlog, voilà. It's Diva, it's back, je sais pas ce que j'ai dit en anglais là, je vous mettrai le truc ici. J'ai pas trop la flemme, mais en soi, hier, qu'est-ce que j'ai fait du cours? Il y a Elise qui est venue me chercher à la maison. Ensuite, on a été manger à la Romance à Malone. Après, on a décidé d'aller au cinéma. Enfin, j'ai voulu aller au cinéma. Du coup, on est allé au cinéma. Et on est allé voir Mario. Donc voilà. Et même pas en fait. Après le restaurant, on est allé à la Citadelle de Namur. On a fait un shooting photo, les gars. Laisse tomber. Les photos sont sur mon Instagram, donc je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Et ensuite, on allait boire un verre au Caprice d'Ambiance, à Jambes. Et après, on allait au cinéma. Et ensuite, on est retourné au Caprice d'Ambiance à Jambes. Et ensuite, on est rentré. Donc voilà, autant vous dire qu'on est rentré à 3h du mat, qu'on n'avait rien vu. Donc, super soirée. Moi, du coup, comment ça va? Ben écoutez. C'est vrai que en fait je ne vous ai rien dit, mais je me suis teint les cheveux en blanc. Je l'avais déjà fait il y a pas longtemps, et enfin il y a un an presque, et j'avais trop kiffé. Et du coup après l'été j'avais voulu refaire tout du blanc, donc j'ai refait tout du blanc. Là peut-être que ça vous paraît blond, c'est au-dessus, c'est parce que j'ai mis du gel, et en fait je sais pas pourquoi, dès que je mets du gel ils deviennent un peu blond comme ça. Donc voilà, je rends mon portfolio dans 4 jours, voilà, 4 jours. Et après, c'est fini. Enfin, le portfolio de didactique dont je vous parle depuis des mois et des mois. Ben, ça y est, il est presque fini. Et je vais pouvoir le rendre et me retirer ça de ma charge mentale. Mon examen de communication appliqué s'est bien passé. Sauf pour la 4e question où j'ai un peu bugué. Donc, voilà, on verra bien. Et alors, mon examen de sociologie, c'est très... Enfin, c'est bien passé, on va pas dire très bien. C'est bien passé, mais celui-là, je ne suis pas du tout confiant. Genre, je ne suis pas sûr du tout de la qualité de mon examen. Genre, puis bon, on verra. Bientôt, je vais voir Queen Bee en concert et Sam Smith. C'est le même week-end, en fait. Donc, le vendredi 12 et le 14 mai, je vais voir d'abord Sam Smith et puis Beyoncé. Et ça va être incroyable.
vas être à l'école parce qu'on a cours de PP. Je suis crevé, j'ai pas bien dormi du tout cette nuit et je suis exténué en fait. En fait, j'ai la redescente de tous les examens qu'on a eu. Et j'ai la pression du travail que je vais rendre là dans 2 jours là, aujourd'hui. On est le mardi 25 avril. Ce portfolio me stresse blindé en fait. Parce que j'ai tellement consacré mon temps, j'ai tellement mis toute mon énergie que c'est compliqué. En fait, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que je vais rendre un gosse. Vraiment, genre j'ai l'impression que je vais donner mon enfant à quelqu'un. J'ai pas d'enfant. Hein. Mais ouais, c'est vraiment ça en fait. Bref, je vais me préparer. Et c'est parti, on va aller en cours. Alors, quand je suis comme ça, ça veut clairement dire que je vais faire une connerie. Donc, préparez-vous mentalement, d'accord? Voilà. Alignez tous vos chakras. C'est parti. Je suis sur le point de faire une dinguerie. De craquer mon slip. Mais on n'a qu'une vie, écoutez. C'est comme ça. Contexte. Je fais des études d'éducateur. Je travaille essentiellement sur mon iPad pour faire mes synthèses, pour étudier, pour faire de la prise de notes, pour rendre des travaux, bref, voilà. Je vous épargne tous les détails. Cet iPad fonctionne encore super bien, encore heureux. Sauf que l'écran est particulièrement petit, bien que j'ai pris la taille d'iPad la plus grande que Apple n'ait jamais créée. Mais c'est un 13 pouces et ici je suis sur le point, du coup maintenant je vais vous l'annoncer, de m'acheter un iMac 24 pouces s'il vous plaît, pour mettre dans ma chambre. Donc ce sera un ordinateur fixe et ça me permettra d'avoir un écran plus grand pour avoir un meilleur confort pour travailler pour les cours, parce que je passe parfois des journées de 4 à 6 heures à étudier chez moi et à travailler sur mon iPad. Et en fait, à la fin de la journée, je suis comme ça. Je te regarde, je suis... L'iMac que je vais acheter coûte 1 829 €. Oui, monsieur. 1 829 €. Oui. Je vais tout simplement acheter cet iMac. Parce que ça me fait plaisir. Parce que j'en ai besoin. Et parce que j'ai envie d'un iMac. Point aller. Bonne soirée. Est-ce que j'ai fait ma connerie? Oui. J'ai trop hâte. Je le reçois vendredi à la maison. Donc voilà, bien sûr que je vous ferai un unboxing. Je vais faire une vidéo hyper stylée sur TikTok à mon avis. Du déballage, parce qu'il y a vraiment plein d'unboxing sur TikTok en lien avec l'iMac. Et je vous avoue que vu que j'ai aucune personnalité, je vais le faire aussi. Donc voilà, programme de la journée, je dois faire ma fiche d'activité pour mon portfolio de didactique. Et ensuite, ce sera fini, le portfolio en lui-même sera terminé, enfin. Ensuite, je vais me relire jusqu'à mon avis hyper tard au soir pour vraiment le peaufiner. Enfin voilà, je vais corriger les fautes d'orthographe aussi. Ça ce sera en même temps que je vais le relire. Donc en soi, ça ne me prendra pas plus de temps que ça.
Et puis voilà, ce sera bon pour aujourd'hui. Je montrerai la vidéo et j'espère pouvoir vous la publier ce dimanche. Donc voilà, on verra bien. Si la vidéo est ce dimanche sur YouTube, c'est que je suis un putain de warrior. Et voilà, je vais rien savoir. En sachant que ce week-end, j'aurai pas grand-chose à vous filmer parce que je travaille au Quick samedi et dimanche, donc et lundi aussi. Donc voilà, j'aurai clairement pas le temps de vous faire du contenu pour ce vlog. Donc voilà. Bref, c'est parti que la journée commence! Ah ben voilà, c'est bon, j'ai mon iMac. Incroyable. Donc c'est le 24 pouces, 512 Go, 8 Go de RAM. Et c'est la couleur verte. C'est parti pour l'unboxing. Par contre, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais filmer l'unboxing. Ça se trouve, ça va ressembler à quelque chose comme ça va ressembler à rien du tout. Donc ça, vous verrez bien. Mais en tout cas, l'intention y est. Donc voilà. I let my feelings take control. Guess I let my demon take the wheel. Used to think that we'd be growing old. I can't believe that it was real. It was back in late December when I did. I just wish I could forgive. Cause I hate how much I love it already. How I just love to catch a feel. Yeah. I've been wasting my time. I don't know why I can't get you out of my mind. C'est ici que se termine ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai finalement craqué pour l'iMac. Voilà, je me suis fait plaisir. Voilà. Mais sinon, voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je trouve qu'il est bien agencé, ce vlog, qui a un vrai mood. Donc, voilà, je suis assez content. Moi, je vous retrouve très bientôt parce que ça va être vraiment. Dans quelques semaines, c'est la fin de l'année, donc là, il y aura
quelques vidéos en plus. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte. Et en tout cas, merci beaucoup de me suivre. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos petits commentaires, vos petits retours sur ce que je fais. N'hésitez surtout pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous demander si vous aviez une idée de nom que je pourrais donner à cette chaîne. Parce que pour le moment, c'est Princesse Kiki. Alors, c'est très kiki, hein, mais franchement, je pense qu'il y a moyen de trouver autre chose. Donc, si vous avez des petites idées, je suis preneur à 100%. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre dans mes aventures toutes plus folles les unes que les autres. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important, et des autres. Et voilà. Salut!